Fédération Galactique, êtes-vous qualifié pour l'ascension? La Fédération Galactique est un groupe d'humains, d'extraterrestres et d'autres êtres qui travaillent ensemble pour aider à répandre l'amour et la paix dans l'univers. Elle est composée de différentes planètes qui sont unies par leur amour les unes pour les autres et leur désir de vivre en paix. C'est une organisation cosmique de civilisations galactiques qui cherche à protéger la galaxie de toutes les menaces. Elle utilise sa technologie avancée pour maintenir la paix et protéger toute vie dans l'univers. L'objectif de la Fédération Galactique est d'unir toutes les planètes de notre galaxie sous un seul gouvernement en paix. Le terme de gouvernement n'est pas exact, mais c'est un terme qui permet aux humains de comprendre le concept. La première étape pour atteindre cet objectif a été d'établir une langue universelle et un système de lois commun. L'existence de la Fédération Galactique est connue depuis des milliers d'années. Son existence a été tenue secrète jusqu'à il y a quelques centaines d'années, lorsqu'elle a commencé à se révéler publiquement à la Terre, d'abord par l'intermédiaire d'ambassadeurs, puis par diverses autres méthodes. Ils sont ici pour vous aider à réaliser toutes ces choses en fournissant un espace sûr pour nous permettre d'apprendre de nouvelles compétences qui nous aideront à vivre une vie plus heureuse et plus épanouie. Toutes les races ont leurs propres qualités qui font d'elles des individus uniques. Chaque race a ses propres forces et faiblesses, tout comme chaque individu. Pourtant, en raison de cette diversité de cultures, de races et d'espèces, il existe de nombreux types de personnes dans notre galaxie qui luttent contre ce qui semblerait être des problèmes moins avancés qui pourraient les empêcher d'assumer un rôle de leader dans la société. La Fédération Galactique a assumé ce rôle en tant qu'organisation dédiée à aider ceux qui ont besoin d'aide pour se développer et apprendre des concepts plus élevés. La Fédération Galactique, c'est également que de nombreuses personnes ne sont pas satisfaites de leur situation actuelle dans la vie et qu'elles veulent quelque chose de mieux. Ils veulent se libérer des liens de leur esprit, de leurs émotions et de leur corps. Ils veulent être libérés de toute cette négativité qui les maintient piégés dans la réalité 3D. Ils veulent passer dans les dimensions supérieures de l'existence, où il n'y a plus de souffrance ni de douleur. La Fédération Galactique a depuis longtemps prévu d'aider à l'ascension de masse de l'humanité vers une conscience supérieure par l'utilisation de technologies telles que les grilles d'ascension. Ces grilles sont conçues pour assister les fréquences de résonance dans le corps humain qui vont au-delà de ce qui peut être atteint par des moyens normaux tels que la méditation ou la prière. Elles sont là pour vous aider dans votre voyage d'ascension. Il s'agit d'aider les changements physiques et spirituels que les gens traversent. Les gens ne doivent pas se sentir perdus ou confus quant à la raison pour laquelle ils ne se sentent pas bien en ce moment. L'univers a un plan pour chacun. Si vous vous demandez pourquoi la Fédération Galactique nous aide à nous élever à ce moment de notre évolution spirituelle, c'est parce qu'elle a eu, elle aussi, l'occasion de réaliser un exploit similaire. Il a fallu des millions d'années pour atteindre leur niveau de conscience actuel. Et maintenant, ils sont ici pour nous aider à faire de même. Pour nous, la chose la plus importante que vous devez retenir de tout ceci,
et que vous n'êtes jamais seul, et qu'il est possible pour quiconque d'ascensionner à tout moment. L'aide, les conseils et le soutien ont été fournis par d'innombrables êtres éclairés tout au long de l'histoire de l'humanité. Étant dit que nous nous sommes tous préparés à cela, il y a toujours de l'aide au coin de la rue, juste au cas où vous en auriez besoin. Vous vous demandez peut-être où vous vous trouvez dans tout cela. Suis-je qualifié pour l'ascension ? Une telle chose, comme un jugement de qualification, n'existe pas. Les âmes immatures pensent en ces termes. Puisque nous avons un trop-plein de personnes qui s'avancent dans les rôles de leaders, qui ne comprennent pas les concepts supérieurs et qui n'ont aucune formation ou éducation à cet égard, nous avons affaire à un flot d'informations immatures qui sont complètement défectueuses. Puisque ces soi-disant leaders autoproclamés manquent d'éducation et de compréhension spirituelle véritable, ils recyclent les informations des autres, qui concluent que vous ne pouvez pas manger ceci ou cela, vous ne pouvez pas faire ceci ou cela, pas de sexe, plus jamais de boisson alcoolisée, pas de sucre, etc. Fondamentalement, l'ascension est transformée en une vertu qui est presque impossible à atteindre pour l'humain moyen. Et en toute honnêteté, le concept ci-dessus ne sonne pas seulement comme une punition du soi, c'est. J'ai été là, j'ai fait tout cela et j'ai évolué à partir de cela. Ce n'est pas la voie à suivre. Le résultat est que les gens sont confus et peu sûrs d'eux quand il s'agit d'ascension. L'ascension ne concerne que le choix de votre âme. Souhaitez-vous vivre une expérience plus positive ? Qu'apportez-vous pour y parvenir ? Si votre première réponse était oui, et que vous êtes en train de réfléchir à votre réponse, à la dernière, félicitations. Vous êtes déjà sur votre chemin d'ascension. Imaginez un avenir dans lequel les nombreux conflits d'aujourd'hui sont résolus et où l'humanité a découvert le pouvoir de l'amour. À quoi ressemblerait le monde ? Comment ce futur se comparerait-il à vos attentes ? Que se passe-t-il après l'ascension ? Et si la Terre était encore plus belle et paisible comme jamais auparavant, et que tous les gens s'aimaient et s'apprécieraient les uns les autres ? Alors que la lumière continue de croître et de s'étendre, elle provoque une augmentation de votre vibration et une accélération de la conscience de chaque individu. Lorsque la lumière aura complètement rempli la Terre, le reste du cosmos vous sera révélé. Ainsi, vous prendrez conscience non seulement de la vie qui est ici sur Terre maintenant, mais aussi de toutes les autres choses qui existent. Cela inaugurera une nouvelle façon pour l'humanité d'apprendre son but, ainsi qu'une nouvelle façon pour vous d'exploiter votre monde. L'univers entier sera à vous pour l'explorer et le découvrir. Nous vous aimons tendrement. Nous sommes ici avec vous. Nous sommes votre famille de lumière. Nous sommes la Fédération Galactique. Ao, Aurora Re, ambassadrice de la Fédération Galactique. Merci de partager au plus grand nombre.